En conclusion, nous pouvons observer quels sont les critères d'évaluation permettant de juger de l'efficacité d'une politique de communication financière. Nous allons commencer par faire une évaluation qualitative. Cette évaluation qualitative repose sur des paramètres boursiers et comptables. N'oublions pas que l'objectif à court terme de la politique de communication financière est de valoriser le titre et à plus long terme, il est de fidéliser l'actionnariat. On pourra ainsi utiliser comme critère d'évaluation de la communication financière les éléments suivants. La durée moyenne de détention des titres, elle permet de comprendre pourquoi les investisseurs achètent des titres. Est-ce pour spéculer à court terme ou bien par confiance en la société et pour placer son épargne pendant plusieurs années? L'évolution du PER, le Price Earning Ratio ou multiple de capitalisation des bénéfices. Le PER s'obtient en divisant le cours de bourse par le bénéfice par action. Plus le PER est élevé, plus le titre est considéré comme étant cher par le marché. Le marché anticipe donc la croissance des résultats de la société. L'évolution des prévisions faites par les analystes financiers. La société vérifiera en effet que les signes qu'elle a envoyés au marché sur sa stratégie ont été pris en compte par les analystes dans leurs prévisions. Elle étudiera aussi les recommandations boursières dont elle fait l'objet en cherchant à savoir s'il y a plus d'acheter que de vendre, particulièrement après une réunion d'information, ce qui permettra de voir si les arguments développés les ont convaincus. Enfin, la société pourra évaluer le nombre d'analyses financières dont elle est l'objet. Si ce nombre est élevé, il témoignera de l'intérêt que lui porte le marché. On s'intéressera également à l'évolution de l'actionnariat de la société. En effet, les sociétés recherchent généralement à avoir un actionnariat diversifié pour répartir les risques. Cet objectif pourra être évalué en distinguant les investisseurs locaux des investisseurs étrangers, mais aussi les investisseurs particuliers et les investisseurs institutionnels. On pourra également rechercher si de nouveaux actionnaires ont été gagnés à la suite d'actions particulières comme des réunions d'information ou l'envoi d'un rapport annuel. Enfin, l'entreprise pourra analyser les enquêtes, les articles de presse, le courrier qu'elle reçoit pour savoir comment évolue la perception qu'en ont ces différents publics. Quels sont les facteurs clés de succès d'une bonne communication financière? Eh bien, tout d'abord, la pertinence. Elle devra publier des informations significatives et récentes. Ensuite, la lisibilité. L'information doit être accessible facilement et compréhensible par tous les publics. La comparabilité. Cette comparabilité doit permettre aux investisseurs de comparer l'entreprise et ses performances sur plusieurs années. La permanence, c'est-à-dire la régularité dans la diffusion de l'information. Et l'universalité, qui est l'accès égalitaire à l'information. Enfin, nous pouvons rapidement faire une évaluation budgétaire des outils dont nous avons parlé dans le cadre de ce cours. Bien que variable d'une société à l'autre, nous pouvons donner quelques ordres d'idées pour les différentes publications dont il a été question dans le cours. Les publications au ballot peuvent être évaluées à environ 10 000 euros pour l'année, un rapport annuel à environ 100 000 euros. Un roadshow aux États-Unis à environ 100 000 euros, une campagne de publicité financière dans le cadre d'une offre publique à environ 120 000 euros et l'introduction d'une PME en bourse à environ 1 million d'euros. Ces chiffres, bien évidemment, ne permettent de connaître qu'un ordre d'idées. Plus précisément, quel peut être le budget d'un grand groupe
le budget de communication financière d'un grand groupe à la date d'aujourd'hui, eh bien, en termes de documentation, il peut dépenser peut-être 1 million d'euros par an. Cela regroupe les documents légaux, les rapports semestriels, lettres aux actionnaires, le journal des salariés, ainsi que le routage et l'affranchissement. Les réunions peuvent représenter également 1 million d'euros. Nous parlons ici des assemblées générales, des comités d'actionnaires, des roadshows, des réunions avec les analystes financiers. Et les conseils en communication sur plusieurs places boursières peuvent représenter un budget d'environ 1 million d'euros.